Hunter de Gunjan. Dans toute la galaxie, on raconte l'histoire. D'une lointaine planète. De sa sinistre forteresse. Du jour où une force irrésistible a déchiré le ciel pour s'abattre sur Terre. Sur elle. Réduite en ruines. Elle abrite désormais une relique d'une puissance incommensurable. Une arme qui peut tuer le passé. Avec le temps, la forteresse a été rebâtie. Elle attire à présent tous les aventuriers les plus audacieux et avide de son trésor. Pour s'en emparer et changer le passé, ils doivent entrer. Voilà. Hein ? Enter the Gungeon. Donc là, je dois choisir le personnage. Bonne chance pour ta première run. Pourquoi t'es mort de rire ? Tu choisis un des quatre. Le pilote, la chasseresse. Le Marines ou la condamnée. Faut que je mette le jeu en anglais. Enfin le clavier en anglais, pardon. Et on est parti, mes amis. Vas-y. Tiens, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Laissez-moi deviner, vous venez pour changer le passé, c'est ça? Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Ce n'est pas si simple. J'étais comme vous autrefois, je suis venu pour changer le passé. Et maintenant, je n'ai plus d'avenir. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Approche, âme récalcitrante. Approche et appuie sur eux pour engager la conversation. Car je suis le chevalier Manuel. Écoute mes paroles, et je t'enseignerai comment survivre à ce labyrinthe maudit. Passe cette porte pour débuter ton initiation. Essaie de renverser ces tables. De donner un coup de pied avec ses tonneaux avec la touche E. Ok. Voici l'action la plus importante. Tu peux exécuter des roulades d'esquive en appuyant sur clic droit ou sur une direction. Tu es invulnérable au tir pendant la première moitié de ta roulade. Mais tu deviens vulnérable dès que tu retouches le sol. Cette technique te permet d'esquiver, blablabla, ok. Salut Lecter, ça s'est bien passé ?
pour neutraliser toutes les munitions ennemies dans une salle et les empêcher les ennemis de tirer pendant un court moment. Elle repousse aussi les ennemis. Attends, c'est quoi? Récupère les balles à blanc. Ok, salut Oka. Les balles à blanc seraient approvisionnées au début de chacun des étages, alors essaie de les utiliser au bon escient. On en trouve aussi parfois en détour d'un couloir, du dungeon. Mais je ne compterai pas trop dessus si c'était toi. En avant. Tu maîtrises les bases, brutes. Les armes qui conviennent le mieux à quelqu'un de la statue et de ton expérience. Vas-y, ouvre-le. Ok. Ça c'est quoi? C'est de l'expérience? Tu connais à présent la roulade d'esquive et les balles à blanc, mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir utiliser des objets autres que les armes. Cette trousse de soins par exemple, elle restaure ta santé. Ramasse-la en t'approchant et en appuyant sur E. Tu es en pleine santé, alors ne l'utilise pas pour l'instant. Mais quand tu te sentiras que tu en auras besoin... Ok... Tu as cette chose de l'autre côté? C'est un téléporteur. À partir du moment où tu en as trouvé un, tu peux y revenir à tout moment. Sauf quand tu es en train de te battre. Pour l'utiliser, affiche d'abord la carte en maintenant Tab enfoncé. Tu cliques sur le symbole de l'endroit où tu désires te rendre. Oula. Y'a pas moyen de recharger plus vite? Non, c'est comme ça. Ce que tu ramasses, tu vas le découvrir plus tard, mais c'est pas de l'expérience. Ok, ça doit être des sous quoi, ça doit être une monnaie ou je sais pas. Ah mais c'est ça là, c'est ça ici. Chaque arme a son temps de recharge. Les musiques, elles sont bien. Ah, il y a le boss là. Tu as plus de deux armes, maintiens left contrôle enfoncé pour ralentir le temps et choisir celle que tu veux.
appuie sur CTRL pour changer d'arme. Donc Kalashnikov, trop bien. Utilise bala blanc près du mur fissuré. Je vois pas de mur fissuré. Je vois pas où il est-ce qu'il est le mur fissuré, poulet, je suis désolé. Moi, le grand Manuel. J'ai longtemps régné sur ces salles, sachant qu'un jour, un être tel que toi viendrait et me vaincrait. Le règne du chevalier Manuel, maître de Gungeon, s'achève bien piteusement. Tu as réussi et tu es venu à bout du jeu. Abandonne-moi ici afin que je meure à nouveau. Après cette initiation, vous pouvez pénétrer dans le Gungeon. Il y a des trucs à faire avant du coup ou je dois y aller? C'est un roguelike, hein, c'est ça, hein. Tuto fini, maintenant le vrai jeu. C'est parti. Ah, il laisse pas autant de cartouches que les autres. J'ai balles illimitées, c'est cool. Ok, téléporteur ici, ça marche. Ouais, c'est vénère. Ok, il est dead. On a un petit coffre ici. C'est quoi? Je peux voir les dégâts que font mes armes ou pas? Non, on peut pas. Bah, je suppose qu'il fait plus de dégâts que l'arme que j'ai actuellement, vu que j'ai un petit pistolet. Tu vas pas les limiter avec ton arme de base. Hein. En vrai, c'est broken. Hein. Ok, nickel. Ça, c'est une grenade, du coup. Oh merde. Nickel, je crois que la pièce ça décline au moment où il y a le téléporteur qui s'active, hein, à mon avis. Hein. Ça va être ça. Ah, t'aimes bien ce jeu des croix digitales? C'est un jeu que t'affectionnes?
C'est quoi ça? Pourquoi il y a une croix? Non, c'est vrai que je peux pas y aller là. J'ai pas l'impression que ça va grand chose de... Oh, c'est bien ça. Ça aurait pu servir en plein fight. Ouais, de fouiller partout là, j'ai pas l'impression que ça m'apporte grand chose. Il y a des passages de partout là. Je peux aussi ouvrir le livre pour savoir ce qu'il fait. Salut Skiri, salut à toi poulet. Merci infiniment pour les 10€, c'est super gentil. Merci, merci beaucoup Skiri. Un grand merci à toi pour les merci de soutien et merci de ton message. Ah, il faut les suivre avant qu'ils fassent quelque chose, je pense, non? Comment il va Skiri? Il a passé une bonne journée? Avec Tab. C'est bon, cette zone elle est clear. Salut Alistair, ça va? Quoi de neuf, dis-moi? Les coffres, tu peux les détruire en leur tirant dessus, comme ça. Quand tu n'as pas de clé, tu peux toujours gagner quelque chose. Ok. Ah, parce que là j'ai pas de clé, donc là je peux quand même... Oh ok, fusil à pompe, nice. Ou carabine, je sais pas, attends, on va y voir. Non, c'est... ça a l'air d'être une carabine ça, non c'est... Ouais, c'est une carabine je crois. Ok, nickel. Clé. 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 Ah, attends, il y a un truc activé là. Non, déjà fait. Ok. C'est l'heure du boss, mes amis. Ouh, ça sent la batteuse, ça. Un oiseau avec une batteuse. What? Ils ont pété un câble. Mais what? Oh putain. Insane. Oh c'est... What?
plus de vie ou plus de dégâts de balle? Qu'est-ce que je choisis? Bah non, je peux récupérer deux. Une nouvelle arme. Oh, laser. Cool. Bon bah nickel. Allez, c'est parti pour la suite. C'est quoi ça? T'as l'air mal en point. Tu vas pas faire une sieste et revenir plus tard? Ouais, si tu veux, vas-y, let's go. Et là, t'as pas fouillé tout l'étage. C'est dramatique. Je sais pas à quoi sert cette monnaie. Ok, balle à blanc. Ah, c'est un vendeur, ok. Une clé. Un demi-cœur. C'est quoi un demi-cœur? Ça me permet d'avoir une vie en plus? C'était quoi, je l'ai acheté? Je peux pas le prendre. La clé, je peux la prendre par contre. Minotti personnel, stylé ça. Ça, à mon avis, c'était une bonne arme, ça. Oh, faut que j'arrête de faire des conneries chez lui, à mon avis. On ne tire pas dans la boutique. Ok, d'accord, désolé, pardon, désolé. J'en recommencerai plus. C'est promis. Ça fait quoi si tu continues à tirer dans la boutique? Il faut demander à avoir Fred. J'ai pas envie de faire des conneries sur ma première run. J'ai envie de tout défoncer sur ma première run et y arriver. Mais à mon avis, il augmente le prix des coups des objets. Ça sert à stocker tes cœurs ou moitié de cœurs que tu récupères en trop. What the fuck? Chambre 2. Oh putain! Si tu t'arrêtes pas, toutes les boutiques de la run sont fermées. Ah ouais! Oh putain, ça rigole pas! T'as pas intérêt à faire le con, quoi. Ok, rien d'autre à casser ici. Merci pour la clé, clé de cellule. Qu'est-ce que ça pourrait bien ouvrir? Oh l'enfoiré, il se cache derrière la table, vous avez vu? Eh, remarque, je pourrais faire pareil de temps en temps.
Ça fait plaisir de te voir sur le stream, Vivi. Y'a un truc à gauche, je sais pas ce que c'est. C'est le shop. Ouais, une armure d'épines, ça peut être bien ça. Armure classique, ok. Clé. Je peux pas te vendre des trucs. Attention aux balles. T'inquiète, j'ai retenu la leçon. Ah, ça, il faut vraiment s'en servir aussi quand même, Varg. Oh putain. Il est dead ? Non, sérieux ? J'ai perdu de la vie bêtement. Mais attends, mais ça coûte trop cher un cœur entier. Vous êtes sérieux là? Mais vous êtes fous. Oh putain, c'est la sauce. Les plus petits slimes, tu peux les écraser en faisant une esquive dessus. Ok, c'est bon à savoir. Oh merde, c'est ça. Ah bon, vas-y, c'est la fin de la run. Tant pis. Oh, je suis tombé dans le trou. J'ai pas vu qu'il y avait un trou en dessous. Victime d'une fosse. Ça recommence direct. Attends, je recommence directement au niveau 2. Ah non, je suis au niveau 1. Ouais, c'est pas pourquoi j'ai cru que j'étais dans la zone numéro 2. C'est bloqué par là.
Il n'y a pas de balles, il n'y a rien. Ok, on remonte. Ils ont rien drop, c'est nul. Ils sont radins, hein. Anneau de cartographe. Certains étages vous seront familiers. C'est peut-être tape pour ouvrir le livre. Tu parles de ce livre-là ? C'est le boss ? Ouais. Ouais, du coup. Oh, une clé. Et là, c'est un fusil à pompe. Cool. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? De la merde. J'ai commandé un largage. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Bien, tu peux voir ce que font les objets en cliquant dessus. Ok. Ah, je peux pas lui donner les demi-cœurs que j'ai récupérés, non ? Tremblons. Botte lourde. Une armure, ça pourrait être pas mal une armure, non ? Il t'explique les armes et les items récupérés et tu as utilisé ta compétence unique une fois par run. Tu peux appeler un largage de munitions. Oh putain, une fois par run ! Et pas par étage ? Par run ! Oh là là, non ! Putain, c'est la sauce. Ouais, c'est quoi, je prends ça. Très bon choix.
abaisse le centre de gravité. Encyclopédie. De rester sur ses pieds, même quand il subit des poussées importantes. D'accord, ok, j'ai compris. J'aurais peut-être dû prendre l'armure plutôt. Vu que je suis un noob. Et je comprends pas, je croyais que la machine on pouvait y mettre les cœurs qu'on avait en trop. Salut Monkey, merci pour le follow et bienvenue. Je croyais que les cœurs en trop je pouvais les stocker pour plus tard. Je comprends plus rien. C'est quoi ça? C'est fort, mais ça peut être dangereux de ouf aussi, quand même. Ok, visiblement, on a tout fouillé. On va se téléporter ici. Pas la recharge rapide, roulade chargeante. Non, oh, le pauvre petit, il a rien demandé. Mais ouais, c'était son sbire, donc ouais. Ouais, legit. Dommage pour le Noit. Si tu veux, avant de te faire toucher, tu peux utiliser une balle à blanc pour éviter le dégât. Ça marche. Merci pour le tip, Zulas. Salut Pabito, un plaisir de t'avoir ici également, poulet. J'espère que tu vas bien. Ouais, on était pas loin du Noit, dommage. Hein. On va monter. Lighter, t'es toujours prêt pour 19h mon poulet? Ça fait bizarre de me retrouver là en fait, d'étage en étage. J'ai l'impression que le jeu s'est arrêté. C'est de l'ascenseur, c'est juste pour... Si tu veux t'arrêter de continuer plus tard la run. Ok. Thank you.
Je sais même pas aller sur les munitions, en fait je les récupère automatiquement à la fin de la... À la fin de, du niveau, à la fin du level, ouais. What? Ok, d'accord. Ouais. Ouais, ça pardonne pas, quoi. La moindre connerie, c'est fini, quoi. Ouais, faut rester focus H24, quoi. Il y a combien d'étages ? Voilà, elle était dure à gérer parce qu'il y avait des éléments absolument partout sur la... Sur la... Dans la zone, il y avait des éléments partout, c'était horrible. Cinq étages ? Ok. Que nous sommes dans le jardin. Et tu vois, ça je le stocke, mais j'en vois pas la couleur après, je sais pas. J'ai pas l'impression d'en voir la couleur. Ok. Cinq étages, mais un secret. Le téléporteur activé. La santé stockée récupérée chez le marchand uniquement. Ok. Oh putain de merde. Wow. Le boss. Nickel, on a le marchand qui est à gauche. Faut éteindre une cheminée avec de l'eau. Ça marche. Bah, j'ai déjà essayé quand même de terminer le deuxième étage avant d'aller à l'étage secret. Mais merci pour l'info.
On va déjà essayer de terminer le second étage. Je sais pas ce que c'est. Largage, ça... Qu'est-ce que c'est? Je suis plein. Ça serait pas mon pouvoir spécial par hasard? Ah non, c'est des munitions, c'est ça? Et il dit que je suis full? Attends. Ah ok, j'ai compris. C'est bien ça. Attends, c'était caché dans une des caisses? C'était caché dans une des caisses, les amis? Le truc que j'ai récupéré là? La boîte de mine? Non, drop de fin de salle, ok. Parce qu'on est d'accord que les éléments qu'il y a autour de nous, il n'y a rien, il n'y a rien de caché dedans. Ouais, il n'y a rien de caché, hein. J'ai beau tout casser, ça change rien, hein. Ouais, ok. On va tout fouiller, on peut se téléporter ici. Carte. Arme extraterrestre. Ok, j'ai deux de boucliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est le dernier portail où j'étais. Allez, le piaf, on le connaît. Mais merde, je me suis coincé contre la table! Non! Un petit revolver, let's go. Allez, on part du coup à l'étage d'après. Salut Monkey. Ouais, c'est la première fois que je joue à ce jeu, ouais. Je suis désolé pour mon niveau déplorable. Désolé. Toute première fois, play. Je souhaite la même histoire de live. Les leviers, c'est pour faire tomber les lustres. Ouais, ouais, ouais. Le truc, c'est que j'y pense pas, tu vois. Je pense pas à l'utiliser en plein fight. En plein fight, en fait, je suis focus sur les ennemis. Ça va être la sauce, là. Ah, putain! Ouais, j'ai perdu un peu de vie. Trop bien, merci pour le boubou. Alors ça, c'est pour récupérer quoi? C'est une caisse rouge. Ça fait quoi?
On t'en veut pas, on ne peut pas tous tryhard comme Yunsi. Non mais c'est totalement vrai, tu as raison. Effectivement, on n'est pas tous des Yunsi. J'avoue. Non, non, c'est vrai, tu fais raison. Un peu de mun pour tout. Ok, donc ça sert à rien que je le prenne pour l'instant, je le prendrai plus tard. Ok, oh putain, c'est trop bien! La vitesse de tir, elle est insane! Non... J'ai appuyé sur espace pour taper une esquive. Boulet. Boulet 31. Salut mon pote. De l'armure. C'est quoi ça? Balle lourde. Ouh, je sais pas si c'est bien, mais... Selog. Ah, il va connaître le rat. Merci Selog pour les 13 mois. Merci beaucoup. Merci Dirisab, Selog. Le rat. C'est quoi le rat? Un boss? Voilà. Allez, tire à travers les murs! Ah non, c'est pas à travers les murs, j'ai rien dit. What? Putain, ça bombardait sévère dans cette pièce. Ça rigolait zéro là. On va voir les munes. Verte, full balle pour une arme, marron, tu peux avoir des balles pour toutes tes armes. Ok. Une princesse avec un boss. C'est quoi ce délire? Je sais même pas ce que ça fait ce monstre là. Ouais, y'a des pics au sol. Chaud. C'est une salle avec des... Ah, avec des pièges. Putain. Ok, ok, j'ai compris comment ça s'activait, c'est bon. Il te faut une clé spéciale. Ce monstre là, on s'en fout, il est chill. Et que lui. Ça y est, ça devient vénère là. Je me prends des hits, mais c'est... Non, 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 je suis trop mal. Allez. Ah, il est tanky. What the fuck? Non, je savais pas. J'étais pas au courant.
Ah, je suis trop dans la sauce niveau vie là. C'est trop tard, la clé, la clé. De quoi? J'ai pas vu qu'il y avait une clé. Ah ouais? Sors, t'as plus le temps, prends la clé. Varg, n'hésite pas à utiliser les balles à blanc sur les trucs bleus en dessous de ta vie. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, je veux esquiver les balles, tu vois, et... Et du coup, bah, j'esquive pas et c'est déjà trop tard, tu vois ce que je veux dire? En vrai, ça m'embête de prendre un demi-cœur pour 24 balles. Je peux utiliser la clé pour ça? Ah, tu veux une clé spéciale, mon pote, c'est ça, hein? Ah, le bourricot, il veut une clé spéciale. On peut pas voir où est-ce que j'ai largué mon coffre? Ça m'aurait été bien utile. Je jette quoi? Le canon en verre, il a l'air fort quand même, hein. J'ai pas envie de le jeter. Et l'autre arme, elle tire quand même assez vite. Deux armes contre une aléatoire. Ouais, non, en fait, ça vaut pas le coup. Je me fais un peu arnaquer, là. Et attends, donc les coffres, là, qui étaient pop, qui ont pop... Ils ont des pop ou... Non, c'est moi qui vais le fouiller. Il y avait un là-haut, il me semble. Bon allez, tant pis. Récupérer une deuxième clé, c'est cool. C'est quoi? Magnétite riche. C'est aimant. C'est dément. Ok, voyons voir ce que c'est. Absorbe brièvement les munitions ennemies et les transforme en munitions pour vous. Mais c'est broken, non? Ça a l'air d'être... Mais genre monstrueusement broken, ça. Trop bien. Ouais, la musique elle est cool en vrai, j'aime bien, ouais. Mais le jeu est très bien, hein. En toute manière, c'est Warpred qui voulait me faire jouer à ce jeu, donc en vrai, j'avais pas vraiment beaucoup de doutes, hein. Warpred, c'est que des valeurs sûres niveau game... niveau putain de dieu. Niveau 49,99. Nickel. Ouais, tu sais quoi? J'ai peur, c'est clair que j'ai peur. Mais c'est 24 balles, mais ça coûte trop cher, mec! Non! Bah si, écoute, si, j'ai pas le choix. Je suis obligé. Clé. Et quoi, y'a encore une clé? Mais attends, mais tous les coffres sont fermés de toute manière, je peux rien ouvrir là, non? Si? Ah ouais, j'ai la clé spéciale.
Merci d'avoir secouru maîtresse Cadence. Je vais l'escorter jusqu'à la brèche. Ah enfin, je me disais bien que j'allais devoir attendre, mais que quelqu'un descende ici. Mais pas à ce point. Ça fait une éternité que j'attends. Enfin, occupons-nous de la boutique. Elle est restée fermée trop longtemps. L'œil qui a passé. On est tout en haut de la brèche. Vous ne pouvez pas nous rater. Ils sont là. L'hôtel est vide. Hein? Ok. GG, tu viens de débloquer la boutique. J'avais pas déjà la boutique qui était débloquée? Je comprends plus rien. Mais je comprends plus rien, moi. Elle était pas déjà débloquée, la boutique? Genre là, avec le marchand et tout, non? Non? C'est le mec qui comprend rien au jeu. Terrible. Ah, c'est l'heure du boss. La boutique qui donne des armes que tu peux débloquer avec des crédits. D'accord. Oh putain, c'est Onyx! J'ai vraiment l'impression d'être sur Mega Drive, c'est trop drôle. The fuck. Alors attends. Je sais même plus où il est. Appareil photo, dites oui, Titi. Ça a quoi l'appareil photo? Attends, je suis trop curieux. Un appareil photo apporté dans le Gungeon par un journaliste. Il a suffisamment la forme d'une arme pour s'adapter au Gungeon et survivre dans les profondeurs. Ok. Non, je pense que je vais aller sur le jeu des oiseaux de Lightheart. Parce qu'en vrai, My Little Learning Champion, si je vais sur My Little Learning Champion, là, ça va me détruire complètement. Bah c'était cool. Petite sauvegarde. Ouais, je suis mal en point. On sauvegarde, let's go. L'arme étourdit les ennemis. C'est pour les stuns? En vrai, ça stun les boss aussi, juste pour savoir. Est-ce que ça stun les boss aussi, Warpred, dis-moi. Le jeu était très cool en tout cas. Merci Warpred pour le 49,99€.